fallu attendre 2017, l'année de mes 40 ans, pour enfin monter mon premier groupe avec mes propres compositions. Constitué de quatre musiciens, M. Sylvain Gontard au bugle, M. Laurent Derache à l'accordéon, M. Christophe Vallem à la contrebasse, et moi-même donc qui joue la batterie et quelques percussions. Et c'est un groupe, un projet que j'ai appelé Canto. Canto, c'est un mot qui pour moi résonne fort, puisque je suis originaire du sud-ouest de la France, et que c'est un mot évidemment à consonance espagnole, latine, etc., qui pourrait signifier le chant ou je chante. Alors que, évidemment, je chante pas du tout, je joue de la batterie. Il y a vraiment une couleur très mélodique et très chanson dans ce projet. De chansons à la maison, évidemment toute la chanson française. J'ai grandi avec des personnes comme Claude Nougaro, j'ai beaucoup écouté Brel, Brassens, Gainsbourg. Ça a toujours fait partie à la maison des musiques qu'on écoutait. Donc depuis gamin, j'ai ces chansons-là en mémoire. J'avais très très envie d'avoir de l'accordéon sur mon premier album, parce que pour moi c'est un instrument qui me rappelle toutes ces couleurs très chansons de quand j'étais gamin, mais aussi un petit peu plus tard, parce que j'avais entre 18 et 20 ans et que j'ai commencé à vraiment gagner ma vie avec la musique, je faisais du bal.